officiellement beaucoup été, mais nous pas loin été à là et grand pile côté qui commençait à faire chaud. Même côté mi à là, jeudi à là, il était fait 33 degrés zone 2-3 heures. Il dit, il commençait à faire chaud. Eh bien, mon qui t'a pris des frescos, eh bien, bah non. Ok, nous pas besoin de temps de commencer à faire 36 degrés à Haïti, ou bien 40 degrés parce que les gens ont des besoins. 2017 ou 2018, vous êtes pour 40 degrés. Ok? Bon. Alors, même mon Canada, il y a une semaine qui se passe là, il y a une semaine pour 26 degrés, ça veut dire comment c'est fait chaud. Eh bien, nous connaissons, il y a une boisson qui est nous pisser chaleur, c'est fresco. Soit à l'étranger surtout, je ne dis pas facile. Bon, il y a un côté qui a des petits variants, il semble avec IC, il semble avec fresco, mais si on a envie de replonger dans le fresco, on a boué en Haïti. Le fresco, moi-même, dès qu'on achète sur route d'Elma, mais plus sur route la Lua, eh bien, c'est fresco ça va nous faire. Nous allons faire sirop original haïtien fresco, nous remèrent. Ok? Avec petit goût essence anis là. Ok? Et bon, de toute façon, il faut chercher jaune. Bon, le monde qui est en Haïti, on a besoin de parce que machin fresco, de toute façon, c'est lié à utiliser Gael disponible en Haïti. Moi-même, je suis dans la maquette Saint-Domingue, je suis passé Saint-Domingue, je suis dans la maquette Saint-Domingue. Donc, bon, alors, si vous pas joindre dans l'autre côté, je vais mettre le lien dans la description, je ne vais pas commander sur Internet. Parce que si on n'a pas fait sans extrait, sans essence anis là. Ok? Donc, je dis à la, nous pourrons vous montrer nous, comment vous faites boisson ça, pour nous faire un petit monde peut-être qui par contre fresco. Vous replongez la dedans et nous-mêmes tout comme grand monde qui a longtemps pas bon fresco, et bien désormais, nous avons fait avec recette ça. Merci pour tout le monde qui toujours like vidéo. Yo. Like yo nous besoin. Okay? Parce que plus on like, plus on interagit, plus on commente dans la vidéo, c'est plus YouTube qui offre le monde pour well. Et plus le monde qui well, la chaîne a grandi. Et depuis la chaîne a grandi, nous avons joué toutes les recettes nous demandées. Donc, on ne peut pas perdre un yen, on ne peut pas déranger dans un yen sous like. Au contraire, on peut aider la chaîne ou aimer, la chaîne qui est utile ou avancer. Merci pour tout le monde qui va faire ça. Merci pour tout le monde qui est abonné. Voilà, actuellement, là, nous avons 104 000 abonnés. Okay? Et puis, merci spécial à nos membres. Ok? Mon sao, c'est le monde qui a cliqué à un moment donné sur le bouton Join ou bien Rejoindre et puis qui a choisi un plan. Si vous voulez supporter la chaîne dans tout, il y a une façon au café. Ok? Au café par PayPal, dans vos contributions sur gaspardorelien@gmail.com ou bien si ça n'a pas été au café par mon cash, ok? Dans le numéro ça, 36 72 25 58. Merci en pile pour tout le monde qui a supporté nous. On a regardé tout ça qu'on a besoin comme ingrédients et comme matériel pour nous faire sirop et fresco à la saveur. Attention! Ça c'est ensemble ingrédients qu'on a besoin pour nous faire sirop pour fresco ensemble avec fresco de façon générale. Pour faire fresco après on a besoin c'est glace, OK? On a besoin blender pour deux raisons, pour deux causes. On a pour être puis devant, on a besoin un petit pistache, un petit noix avec un petit amande pour faire fresco. Alors, pour nous présenter fresco bien, on a besoin de cup. Cup, yo vanilla, yo présenté là en Haïti. Quand on a fait 4 qualités de sirop, on a fait 2 sirops à part. Nous avons là 2 tasses de sucre blanc. Nécessairement, c'est sucre blanc boulier.
Dans si on gagne pour faire yo, nous va le faire sirop cocoyer là on gagne yo deux tasselettes cocoyer. N'a besoin de deux tasses de l'eau tout. Nous gagne pour faire sirop grenadia, n'a besoin grenadia là. Là on gagne 6 grenadia. Nous va extrait jus grenadia mais extrait concentré. OK? Pour si au grenadia nous ka bien goût. N'a besoin l'étoilé, n'a besoin morceau cannelle. Une si on a fait aussi si au vert là nous gagné un colorant vert ben qui à base de menthe là nous gagné un colorant rouge qui à base de fraise n'a besoin essence vanille blanc et puis une indispensable essence n'a besoin pour nous faire sirop pour frescoa c'est extrait d'anis ou bien essence anis. OK, là sous bagayel ou pas faire fresco haïtien. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo avec matériel ça on a besoin pour nous faire fresco, si au fresco qui pi populaire en Haïti. Grenadia, cocoyer, sirop vert, sirop rouge. On gagne deux chaudières mettez chaud là c'est nous va faire deux sirops différents. Premier sirop on va faire c'est ça le sirop blanc, sirop incolore là. Bien que il y a possibilité pour petit couleur parce que on va prioriser goût sous couleur. OK? Bah mettez cannelle. Cannelle là, va le bal le meilleur goût mais il se peut que cannelle là colore. OK? Bah mettez on commence avec sirop blanc. Si vous avez deux sirop blanc, mettez deux tasses l'eau. OK, n'a mettez nous mettre en pile pour pas trop colorer tout. Un petit morceau cannelle. N'a mettez deux trois à l'étoile là-dedans. Et puis n'a mettez une tasse de sucre pour deux tasses d'eau. OK, nous allons faire sirop. Là sont demi tasse. OK, mettons l'autre demi tasse encore. Qui fait une tasse. Là, on a quitté la bouille. Maintenant, deuxième sirop on va le faire, c'est sirop et puis faut haïtien était toujours aimé hein que on peut dans le pas acheter à tout longtemps. C'est cocoyer. Mais ça le fait bon bichet. Qui était toujours bon bichet. Là, on a deux tasses lait cocoyer. OK? Et ben, on a mettre là dans tout dans deux tasses et lait cocoyer. Deux, on tasse sucre tout. OK? Mais, voilà. On tasse sucre. Et puis, pour nous faire le goût toujours, on va mettre un petit morceau cannelle avec deux, trois, les trois. Les. OK? Et bien, si vous ça a là, on va le quitter jusqu'à ce que sucre la foule avant on a fonti boissel pour être dessus le sucre là aller fondre vite. OK, OK, là fond quitter là réduit jusqu'à 30 à n'importe 40 minutes. OK, pour si on a fait il peut peut-être demander plus de temps mais en attendant 30 à 40 minutes à supposé suffisant pour que si on a fait. OK, pendant si on a fait là, nous allons occuper de l'autre baguette. OK, pendant si on nous a bouilli parce que ça prend un petit temps, on commence à préparer une jus n'a besoin pour nous faire une sirop. C'est sirop grenadia. OK, eh ben on a commencé nous allons chercher et prendre extrait sirop jus grenadia concentré. OK, juste couper. OK, on a juste couper grenadia yo. OK. Et puis, mettez-vous dans le blender.
joindre jus grenadier concentré pour qu'il y ait vraiment des bons jus pour grenadier, on va mettre un peu de l'eau là-dedans. On va juste blender. Ok, il est un bon. Et ça m'a fait, c'est juste verser, passer le passoir. Puis, avec mon cuillère. Ouais, ça m'a fait. En crème de grenadier, c'est même j'en ai fait. Ok, pour nous un jus de grenadier concentré qui est bon bois. Ok, bon jus de grenadier. Nous allons pour mettre de l'eau liquide là-dedans du tout. Ok, pour nous là, nous gagnons jus de grenadier très concentré. Ok, nous finissons avec l'étape ça. Ok, là nous remarquons qu'il y a quelques graines de grenadier qui écrasé, qui passaient dans la passoire de l'avance, pour un gros passoire qui a un gros jou. Là nous prenons l'utilisation de passoire qui est plus petit pour recouler. Ok, comme ça nous avons un jus de grenadier qui sans tache. Ouais, vous voyez ça qui est passé dans notre gros passoire. Un passoire ça plus fin. Ok, nous repassons un petit morceau de graines. Grenadier qui est passé là, nous sommes tout allé. T'as fait, même si nous avons un passoire, gros jour, nous avons un petit passoire qui fait. J'en ai regardé là, ok? Nous avons toute quantité de graines qui sont cassées, qui sont là-dedans. Donc avec un petit passoire fin ça, vous comprenez? Je vais dire merci pour suivre ça. Nous avons bien aucun graine qui casse résidu graines grenadier qui était. OK? Voilà. Là on a un jus qui non seulement concentré mais qui pur. OK? Parti ça là fini paré. On retourne kounya là dans siboyo. OK. Alors nous songe nous t'ai parlé l'eau de cannelle avec l'étoilia qui pour colorer de l'eau siwo nou yo. Mais ça n'a fait. Là nous estimer grenadier bouilli avec si vous assez la et pas grenadier non cannelle avec l'étoile à bouillir avec assez donc goua nous t'ai besoin tirer de cannelle là nous gagne et ben n'a pour tirer yo. OK, parce que plus ou quitel c'est plus possibilité li gagne pour colorer si vous là donc n'a pour tirer yo. Là nous prend goût cannelle là déjà n'a pour tirer le tout cannelle à l'étoile non sirop cocoïa. OK, cocoïa ça nous vient gagner là, on y a vient tant cou, yo espèce de crème cocoïa. Nous connait crème cocoïa, yo revend ni dans boîte et dans market. Li même ou plus utilisé pour faire dessert au lieu de lait de cocoïa, faut faire différence entre lait de cocoïa et sirop cocoïa. Donc les au bouillir là avec sucre là, li vient bon exactement même goût. OK, avec crème cocoïa. Donc ça veut dire on dit sous table fait piña colada. OK, ou pas joindre crème cocoïa acheter ou ka faire ou même. Et piña colada c'est pas avec lait cocoïa il fait, non, il fait avec crème cocoïa. OK. Bon. Si vous nous on a quitté au réduit toujours. OK. Et puis après, on va passer dans l'autre phase. OK. Alors, il y a une astuce que m'a ba nous là, c'est blender on va l'utiliser pour craser glace là. On est pour glace gragé pour nous fresco. OK? Eh ben avant on utiliser le pour craser glace là, n'a mettre dans freezer pour le freeze. OK, n'a mettre pour blender dans freezer pour sortir freeze. Donc ou t'a bon bien en vin qui givré. OK, on va mettre dans freezer. Nous fait ça déjà pour sirop en cocoïa. OK, avant arriver à un certain moment, n'a mettre un bouchon essence vanille là-dedans. N'a mettre deux bouchons
essence anis là. Et puis n'a quitté le continuer bouilli réduit. OK, essence sirop cocoïa lui-même il prend moins temps, il est apparé. OK, n'a tente toujours pour sirop blanc. OK, bon, là nous va faire sirop coco fin fer. Là, nous gagnons sirop cocoïa. OK. Mettez quantité dans le jeu là. Mais nous n'avons rien fait là-dedans encore. Ok. Si vous ça, pareil. Maintenant, on fait le premier sirop grenadier là. Ok. Il y a une quantité ça là. Et puis. Juste mettez, je concentre les grenadiers à nous là. Nous mettez, nous mettez petit bol nous en 3/4. Et puis, le reste là c'est grenadier. Nous mélangez. Ok, moi. Bon, la gueule. Ok, maintenant, on nous fait. Sirop rouge noir. Et puis, avec colorant ça qui est à base de fraises rouge là, on a pété un bouchon. On met ton bouchon ici. Je suis sûr que la bouche assez. Mélange. Voilà, on a notre sirop rouge. On a les bons sirop vert là. Voilà. Ok. Grenadia. Cocoyé. Grenadia. Rouge, vert. Et puis. Blanc. Bon, il que blanc, pas vraiment blanc. J'en ai dit le noir. Cannelle là, tu as décoloré. Si on veut le plus blanc, juste pas mettre. Juste pas mettre cannelle. Cannelle avec anissa. Yeah. Mais moi, j'ai priorisé le goût sur la couleur. Oh, dans blanc, on va ajouter l'anissa. C'est dans le début de la bouillie à me débiter. On va suivre. Oui, ça va. Ok. Ah, justement, parce que tu as si vous voulez, il y a un goût à tout. Voilà. Ok, maintenant, qu'on y a là, nous allons passer à la glace là. Ok. Ok, nous sommes en train de mettre un verre ou bien pour blender à givré, il faut mettre dans le freezer pour bien glacer. Nous mettons glace à la dedans, nous allons casser le glace rapidement. Alors, il y a une fonction blender qui est Pulse, P-U-L-S-E. Ok, c'est avec nous qui moulin glace. Ok, la pizelle. Ok. Maintenant, avec nous changer qui est ça, qui est glace là. On prend la glace et puis. Et puis, mettez nos cups. Pas mis sans fil. Ok, ça a fini.
Molengas. Encore. Ok, il y a 5 cups que nous là. Maintenant, on va ajouter du sirop. On va peut-être commencer avec sirop cocoïa. Ok. Ok, le temps de sa présentation, elle mette-le dans le freezer. Ok, grenade à Kounia. Presque qu'on boit, c'est la qui est là. Ça, c'est tout un art que je ne maîtrise pas. Ma pas boire celle d'un coup, j'ai un renouvel là. Ok, si vous vous jouez là. Si vous avez un petit peu de feu pour faire faillite dans le lieu, dans chaque coup d'appétit, pile si vous avez. Oui, oui, oui. C'est un avantage de faire la carreau. J'ai goûté de la boue machine, personne ne fait ce que vous dites. Ah, on va mettre si vous assez. Pas que si vous assez là. Mais on va faire la carreau, petite quantité si vous voulez. Dernier lieu, sirop blanc. Ok. Mais c'est ce que nous parlons, il y a un pari pour la faire présentation. Nous avons fait sirop pour plusieurs jours. Glace là, c'est juste et moulin dans un blender, mixé dans un blender, un food processeur et puis bâton. Ok, pour nous craser chaleur. Et comme si nous avons dit déjà, dit fait 33 degrés aux zones de 2h, 3h. Donc, jusqu'à là, il fait chaud. Ok, bon, malheureusement, si vous faites avec sucre. Je vais faire écraser chaleur avec. Mais la goûteuse là, pour aller rapidement dire est-ce que c'est fresco de manger et que vous devez prendre, acheter devant Kaimé Boudon. Bon, ça pue beaucoup. Il y a plus de sirop, etc. Mais est-ce que c'est plus ou moins? C'est certain que je vais prendre du sirop, puis bien. Salut tout le monde.
C'est toujours le même plaisir. Bon, commencez à blanc. Qui est bon, glacé en bas, voilà le nom de glacé. Mais le qui est là. Ni goût, mais si ça veut, ou tu me sais, Anis Lagbaye, les comptes brun. L'école là, moi, je pense que c'est parce qu'on va Assez à Anis. Bien. Mais si c'est qui un peu. Il a quelques mots. On a des jeunes. Des grèves. Oh, Grenadia, justement, oui, mais. Les gars ont un petit goût sur Grenadia, oui, mais. Comme son Grenadia. Comme Grenadia est notre préféré, mais Grenadia est juste préféré. Donc, moi, c'est même si on va dire que Grenadia, ou pas connaître Grenadia, il y a toujours qui remet, parce qu'il va me voir. Ou bien le fond. Parce que bien là, mon goût fresco, justement. Eh bien, peut-être si au blanc, même si c'est pas mettre en deuxième, il va changer. Il va passer sous les lags, il va changer. Il va changer, il va faire là. C'est Bailly. Bailly et puis Bouel. Moi-même, Pamela, pour l'homme d'a fait mise en place là, préparer cet espace là. Donc, si on a gagné. En pile temps là-dedans. Il y a là tout, la saguette en. Et bien, la langue rouge là, la saguette en fond en pile là-dedans. Tant mieux que moi, parce que ma mère va être trop douce, mais en même temps, on dit j'en perdu. Oui. Tant, alors. Fresco. Regardez-moi ça. Pourquoi il y a, qui s'était préféré, sans être tout le monde. Comme ça, on va en bas. Et même moi, la petite là. Sinon, vous, votre problème d'insensible. Ok. Il va me battre contre toi. Et puis, on va mettre tout de suite là, c'est ma coco. Mais sinon, vous goûtez au chat. Ça, moi personnellement, plus satisfait de là jusqu'à présent que je dirais, mais c'est Grenadia. Mais ça qui bon goût fresco petit pic là, c'est vert là. Okay. Alors, ça par contre, ça crive l'autre. Mais il y a style goût, hein, il y a style bon. Mais on a parlé de ça qui rapprochait le plus de fresco que nous mangeait devant l'école là, nous avons boire devant l'école là. C'est bien là. Donc en fait, c'est bien là qui est champion, je l'ai dit. Mais pour mon goût personnel, c'est Grenadia mon préféré. Ok. Bon, il y a la Grenadia. Tu te donnes des couleurs à ce moment. Oui, perfectly perfect. Bon, eh bien, nous allons commencer à retourner et hein, où ça qui t'est baissé en face, non? Si tout le monde qui est à peu près là, là, avec mieux, parce que Fresco, c'était un incontournable. Hein? Donc, tout les sortes de l'école, pour prendre fresco, c'était un must. Il faut avoir fresco. Bon, il n'y a pas toujours bien comme vous prendre fresco à Cocoïa, mais petit blanc, pour prendre tout le monde de la dedans. Mais on y a là, comme Charlie a commencé à monter en pile côté, même Canada. Donc, nous allons commencer à craser Charlie avec un bon fresco à la haïtienne. Ok? Je vais vous rendez-vous pour une prochaine recette côté de l'autre. Recette typiquement haïtienne. Combien de nous là que vous mangez bonbon sirop? Hein? Même moi, je ne sais pas. Oui, machin, vous êtes comme pour moi. Mais c'est tout, surtout machin, qui a promis, même avec les pains patates. Eh bien, nous allons montrer nous, la prochaine recette là, comment vous faites bonbon sirop. Pareil. Ok? À bientôt pour notre recette. La fonte est à ah, que de souvenirs, hein? C'est quoi pistache là? Admire, admire, bois des yeux, bois des yeux.